Tout au long de ce championnat de France, une victoire rapporte 3 points. Les équipes justement sont en place de part et d'autre de la ligne médiane. Vous pouvez siffler. Le chronomètre est réenclenché, l'arbitre va lancer. C'est une faute de la part d'un joueur de rang de l'équipe de c'est une pénalité numéro 3 qui est accordée à l'équipe des pénalités numéro 3 de Fremantle qui sanctionne des fautes légères, des fautes positionnement, des fautes techniques. Dans ce cas-là, c'est donc la position du joueur de Gif qui a été sanctionnée. L'équipe du Blanc qui a donc récupéré le ballon, qui a tenté une première approche. Pas d'ouverture, pas de possibilité d'effectuer les trois. Ils ont choisi de rentrer à la maison. Et lance maintenant leur offensive à droite, le ballon recentré. On est quasiment dans la dernière minute avant la pause. Voilà qui a fait 59 secondes. Et le ballon dans les mains du joueur de l'équipe du Blanc. Allez, ballon de sur les droite, le ballon recentré à cette passe. On n'a pas abouti, le ballon dans sa bulle, rapide des deux côtés. Intervention de l'arbitre, la priorité était aux joueurs de l'équipe du Blanc. Peut-être remonter le ballon avant. Qui est la priorité? C'est donc une pénalité numéro 3. L'équipe du Blanc qui récupère le ballon au milieu de terrain. Ils vont effectuer les trois passes. Il reste 20 secondes avant la pause dans ce match. Attendez, demi-tour rapide pour essayer d'ouvrir la défense. 10 secondes. Et intervention sur l'arbitre. Pénalité numéro 2. Le point, dit-il. Et cette défense logique. Qui nommé une petite faute. C'est dans le moulin travers. En tout cas, pénalité numéro 2 pour l'équipe du Blanc. 4 secondes de centième, le temps au chronomètre. Les joueurs ont choisi l'option collective et c'est